On n'a pas fait le choix. C'est pas grave. Pour le début, comme je vous ai déjà dit, on a préparé un spectacle avec des élèves de notre école. Notre prof de musique, qui est aussi de l'équipe du projet, peut-être si le COVID nous laisse, il va nous accompagner dans une mobilité, j'espère. Et tous, ils sont nos élèves. À partir avec les petits, parce que vous savez que nous avons l'école maternelle, le primaire, tout ça. On va essayer, après le spectacle, de traduire en français, en anglais, tout ce que vous voulez et que vous voyez ici. Parce que après le spectacle, on va faire des ateliers, on va décorer des œuvres, on va essayer de connaître l'art de la poterie, on va peindre des assiettes que vous avez déjà devant vous. Donc c'est une activité commune, prof et élève. Vous allez travailler tous ensemble, d'accord? Bon, est-ce qu'il y a besoin de traduire en anglais cette introduction ou pas? Ça va? Yo, on t'écoute. Vos yeux, c'est le squeak. So, next we're going to have like a small show and they're going to sing and then we'll have a workshop, For everybody, teachers and students will work together. You have some materials yes, on there. The table. Okay, and there, and you are working all together. Bon, on va assister au spectacle et après on va commencer à travailler, d'accord?